Petit-neveu de Paul Valéry, descendant d'une famille de peintres très liée à l'impressionnisme, Jean-Marie Rouart a esquissé une carrière de journaliste littéraire et de romancier mondain, très porté sur le dénigrement de soi, ce qui lui a valu les honneurs. Son inspiration s'est singulièrement bonifiée le jour où il a abordé l'essai, consacrant des pages très justes au duc de Morny, au cardinal de Bernice, ainsi qu'au vaincu de l'amour. Et voici qu'avec une autobiographie, étrangement sous-titrée « Roman », et qui paraît chez Gallimard sous le titre « Une jeunesse à l'ombre de la lumière », il nous donne son meilleur livre. Le prétexte, relater l'existence d'un peintre assez obscur, Léopold Robert, qui s'est donné la mort à Venise par amour. Nous nous retrouvons en sa compagnie dans l'extraordinaire palais d'Ario, où la veuve du flamboyant Raoul Gardini, un autre suicidé, nous fait les honneurs du Grand Canal. Et puis Jean-Marie Rouart va évoquer ses ascendants, un grand-père adoré et couvert de femmes, un père qui se trouvait plutôt moins mûr que son propre fils. Les amis de la famille, Degas, André Gide et les proches de Jean-Marie Rouart. Personne n'a raconté aussi bien Aragon racontant Drieux La Rochelle ou encore Jean d'Ormesson, tantôt irrésistible et tantôt embarrassé. De la très bonne prose française.